On est où là, Jacob? Là, on est où? On est à. Tu sais où? Terre-Terre. Je n'ai pas le nom. Châtelet. Tu vois ou pas? On peut pas le dire, voilà. On sait quoi aujourd'hui? Dis-nous. Très simple. On va demander aux filles. Une partie 3 de la vidéo, du coup, je vais te dire. Voilà, où en gros on demande aux filles c'est quoi le type d'homme physiquement et intérieurement parlant qu'elles préfèrent. Voilà, c'est parti. Salut, comment tu vas? Ça va. Ça va bien, vraiment? Comment tu vas? Salut, ça va super. T'as l'air un peu être étonné là, tu m'as l'air. Tu fais des gros yeux comme ça là. Wow. Ouais, parce que tu m'as intercepté trop vite. Ah, trop vite, d'accord. Bon, on va aller doucement alors. Hein. Ok. Quel est ton type d'homme physiquement parlant? Je sais pas, c'est au feeling. Quoi? Au feeling. Ok, et si je dis que c'est un mec qui fait 1m50 et avec qui t'as non, bon feeling? Même un peu grand. Ok, ouais. Alors s'il te plaît, je répète ma question. Quel est ton type d'homme physiquement parlant, s'il te plaît? Ouais, brun, musclé mais vraiment pas trop. Dessiné. Dessiné, genre abdos et tout, mais pas genre trop ouais, bodybuilder pas, et tout. Pas stock. D'accord, ok. Que ça soit confortable pour les câlins, les trucs et machin. D'accord, que ça soit okay. Un peu doudouille. Les cheveux pas trop longs. Pas trop longs. Long pour toi, c'est jusqu'à où? Jusqu'à là? Non, ça ah ouais. Trop long pour moi. Long. Ouais, enfin, okay, d'accord, ok. Y a pas de monde. Genre long comme le monsieur derrière là. Trop long comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, d'accord, ok. C'est bien. Ok. Que qu'on puisse passer dedans, mais sans s'en mêler les doigts. Passer dedans carrément. Eh ben, passer dedans. Hein. C'est ça. C'est pas ce que tu vas faire passer, mais bon. Voilà. Et du coup, à part ça, niveau du regard, visage et tout. J'aime les regards doux. Ah, doux, d'accord. Okay. Et ironique. Ironique. Ouais. Okay, ben. J'aime pas les regards durs. Ah, ouais, t'aimes pas. Ouais, c'est tout de suite, c'est rebutant. Comme ça, quoi, t'aimes pas comme ça, hein. Non, ça c'est un peu ironique encore. Tu vois, c'est vraiment les regards froids, limite un peu violents. Tu vois, le regard. Voilà. Non, ça te donne juste envie de. Ok. Alors, ça dépend. Enfin, physiquement, je suis plus sur les. Je sais pas, ça dépend en vrai. Je sais pas si d'arrêter. Ça dépend de quoi? Bah, du feeling, quand si je m'entends bien avec la personne ou pas. Okay. Imaginons que, ok, je te dis, si t'as mon feeling avec un homme qui fait 1m60 qui est blond par exemple. Est-ce, non, est-ce... il faut qu'il soit plus grand que moi. Ok, alors. Déjà. Alors, en gros, tu peux répondre à la question. Quel est ton type d'homme physique? Parce que bah... là, tu dis grand, donc c'est déjà un point. Hein. Oui, il faut qu'il soit plus grand que moi. Ok, merci. Bah, qu'il ait un certain style, enfin. Ah, ok, un style vestimentaire que tu ouais. Veux qui met, ok. Et quoi d'autre? Mais après. Regard, la couleur des yeux, peut-être. Non, les yeux, non, ça, n'importe. Ça... Brun, blond, non tu... Plus brun quand même. Ok. Est-ce qu'il doit avoir une certaine origine? Non, pas forcément. Ça marche. Okay. Dis-moi, c'est quoi ton goût en matière d'homme physiquement parlant? Que le physique? Dis-moi un petit peu. Arabe. Plutôt arabe? Ouais. Ou renois, en fait. Ouais. Plutôt musclé, pas musclé, plutôt comment? Normal. Qui est sportif. Qui fait le sport. Ok, un sportif, quelle taille? Grand. Normal. Toi, tout est normal pour toi? Physiquement parlant, bah, les bruns plus. Bruns, ok. Grand. Bah après, enfin, j'ai pas forcément de... Musclé, pas musclé... Normal, enfin ça je m'en... Un beau gars... Bah, tant qu'il me plaît, ben, genre je veux dire... Que physiquement, je dirais grand, brun, ouais. Avec des yeux clairs, ouais. Ah, ouais, des yeux clairs, genre ouais. Bleu plutôt, bleu. Bleu ou vert, ouais. Ah. Ouais. Et pourquoi brun? C'est pas blond ou roux? Je sais pas, c'est style. Ah ouais, ouais je sais pas. Et toi du coup? Moi tout sauf blond. Et ben... La taille compte pas vraiment. Ok. Et quelle taille tu parles? Je sais pas, ma taille, un peu plus grand que moi. Ok, d'accord, ok. Voilà, ça dépend ce que t'appelles pas en dessous grand, de moi, quoi. En fait. D'accord, ça marche pas. Elle a pas compris, mais c'est pas grave. Comme ça, t'en as pas. J'en ai pas. Ok, alors imaginons que tu dis, ouais, tu sors avec un mec, un blond, un brun, qui fait 1m60 et avec qui t'as un bon feeling. Est-ce que tu acceptes? Non. Voilà, du coup, tu as forcément un type physiquement, non? Un grand... Non, pas physiquement, mais grande taille. Ouais, mais le... Enfin, s'il est grand, là on parle du physique. Donc physiquement tu préfères les physiquement, grands. Physiquement pour être de grande taille. Voilà. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Bah rien, il y a tout feeling. Tout feeling toi pour toi? Genre juste grand mais le reste c'est feeling. Ouais. Pas de brun ni blond, yeux clairs, hein? Mmh. Origine peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout, genre, n'importe quelle origine. N'importe quelle origine. Très bien ça, ok. Physiquement. Quelles sont ces questions? Ça se trouve, c'est une grosse carotte en fait, ce que je suis en train de vivre là, non? C'est plutôt une salade. Ouais, c'est plus une salade, ouais. Bon, une salade composée alors. Composée pas mal, hein? Ouais, ouais. Bien composée. Alors, du coup, c'est quoi ton goût, du coup, en matière d'homme physiquement? Physiquement. Il n'y a pas de. Enfin, de d'homme en particulier, c'est une question de personnalité. Oui, mais physiquement parlant. Imagine que t'es dans une boîte de nuit ou allez, tu vas dans un bar dansant. Si tu veux une idée un peu comme ça, on va dire un grand brun. Ah, brun ténébreux, c'est ça? Non, pas ténébreux. C'est trop cliché ça. Genre brun normal quoi, brun c'est brun bon. Normal, on va dire si j'avais un idéal, je préfère les bruns que les blonds quoi.
D'accord, ok. Et grand, tu m'as dit aussi grand. Ouais, grand. Bah, je suis pas petite alors. Ouais, quand même, voilà, ok, d'accord. Tu vois. Brun, c'est tout. C'est barbe tout. Et tout, regard. Oh, j'ai pas. Là, le regard, les mains. Ah, les mains. Je suis fétichiste des mains. Ah, fétichiste des mains, ouais. D'accord, ok. J'aime bien un mec qui a des belles mains. Des belles mains. Et des grandes mains ou pas? Ça m'est égal. Ok, d'accord. Pas des mains de nains non plus. Bah, oui, voilà, ok. Ah, fétichiste des mains. Bah, c'est important pour moi, c'est l'hygiène de la personne, tu vois. Les fétichistes, ok. Quel est mon type d'homme? J'aime bien les mecs assez grands. Assez grands, ok. Ouais, un peu musclé mais pas trop, assez sec. Assez sec, mais pas trop musclé. Hein. Ok, pas trop musclé, mais assez sec. Ouais, assez sec. Ok. Sinon, j'ai pas trop de type bien défini. Et niveau origine, est-ce que t'as une origine précise ou est-ce que tu t'en fous? Je m'en fous un peu, okay. Ouais. Ah oui, et brun, blond Plutôt brun. Ouais. Après, je sais pas. Tatoué. Tatoué, ok. Ouais. Est-ce qu'il a une origine particulière ou pas? Non. Musclé. Les gens musclés beaucoup ou genre un petit peu ou comment? Ça va, ok, d'accord, ok. Et niveau de barbe et tout? Ouais. Ok, et le regard? Ouais. Un regard plutôt comment? Dis-nous un petit peu. Un regard doux, un regard un peu... Charmeur, on va dire. L'homme qui fait le sport, c'est l'homme normal. D'accord, mais il peut faire du sport et il ne pas être très grand, tu vois? Ouais. Et toi, est-ce que la taille, c'est important pour toi? Physiquement, toujours? Physiquement? Ouais, la taille. C'est grand... Ouais. Grand. Bah, j'ai pas vraiment de préférence. Ouais. C'est vraiment tout dans l'attitude de la personne, le feeling. L'attitude. Ouais, comment ça se passe. Après, sinon, j'aime bien les mecs un peu barbus, tout ça. Ah, les hipsters, quoi. Après, j'aime pas les mecs musclés. Ah. Sinon. T'aimes les hommes plutôt minces, alors. Fin, quoi. Pas maigre, mais ouais, j'aime pas. Enfin, j'aime vraiment pas les mecs baraques, quoi. Okay. Un peu musclé, ça va, un peu musclé. Oui, ça va. Ah, bah, ok. Ça va, je dis pas non. Mais voilà. Et ensuite. Sinon, je sais pas. Après, genre brun. Peu importe, tant qu'il est pas roux, ça va. Eh les roues sont blessées, les roues. Ah, mais c'est pas grave. Ah, les roues, et pour les roues, t'aimes pas les roues? Non, mais en vrai, c'était une blague. Mais... Ah, c'est une blague, ok. Non, en vrai, si le mec. Enfin, en vrai, franchement, moi, le physique, ça. C'est secondaire, quoi. Ouais. Secondaire, ok. C'est pas important. Ouais. Grand. Ok. Ok. De quelle origine si c'est important pour toi? Important ou pas? Ouais. Arabe, ok. Ok. N'importe où dans le Maghreb et autres. Non, arabe, c'est tout. Ouais, charmant, ok. Et grand ou pas? Faut qu'il soit grand. Ouais. Faut qu'il soit grand, d'accord. Okay. Donc toi, c'est renois et rebeu. Donc tout ce qui est baptou, asiat, toi, t'es pas trop. Non. Ok. Non, ouais, c'est tout. J'aime beaucoup la douceur et l'humour. L'humour, très important. L'humour et la compassion. D'accord, ok. Sinon, on va dire que brun, blond. Ça, je m'en fous. S'en fous, ok. Ouais. Et l'origine, ouais. T'en fous aussi un petit peu. Je m'en fous. Ok, d'abord. Non, intérieurement, tu veux qu'il soit comment? Qu'est-ce que t'aimerais? Un mec drôle. Genre, j'aime bien rigoler, que ça des bons délires et tout. Quoi d'autre? Oui, pardon, est-ce que tu as une origine particulière en fait? On revient au physique? Non. Ok. Maintenant, on revient au truc, du coup, drôle. Intéressant, voilà, enfin intelligent. Ça marche. Toute personnalité du coup alors? Surtout drôle. Ah, drôle, okay. Drôle et qui s'énerve pas vite. Ah, tu okay. Vois, parce que vu que moi je m'énerve vite, faut pas égaliser sur ce domaine-là. Ah, ouais, d'accord. Okay. Et toi du coup? Doux, attentionné, drôle. Ok, drôle aussi. Ouais, là, c'est important. T'as la base drôle. Ouais, c'est important. C'est un homme ennuyant quand même. Hein. Ouais, c'est dur. C'est ça. De intérieurement, tu veux qu'il soit comment? À l'intérieur, courageuse, qui aime travail. C'est tout. Pas de personne drôle, intelligent. Ah ouais, faut qu'il soit drôle, qu'il soit gentil, attentionné. Ok. Quoi d'autre? Fidèle. Fidèle. Bah, ouais. Logique. Ouais, simple, ouais, logique. Comment ça? Au niveau de la personnalité, un truc qui t'attire particulièrement? Pareil, l'humour, le fait qu'on fasse attention à moi aussi, attentionné. Normal. Et puis, je suis pas quelqu'un qui aime bien rigoler. Voilà, rigoler quoi? Comment du coup? Drôle. Drôle, funny, ouais. Ok. Que drôle? Pas que ça, genre si drôle, c'est bon ouais, pour toi. Ouais, drôle, c'est grave bien. Je veux que ce soit un mec drôle qui me fasse rire, assez intelligent et pas forcément dans la norme, quelqu'un qui se démarque un peu. D'accord, quelqu'un d'original. Ouais, voilà. D'original. Mais dans quoi original? Parce que c'est genre dans son humour, dans quoi? Dans sa personnalité? Personnalité, ouais. Ok, d'accord. Intérieurement, tu veux qu'il soit comment? Bah, gentil déjà. Gentil, d'accord. Quoi d'autre? Attentionné. Ok. Et drôle, drôle, non? Ouais, drôle aussi. Drôle. Et quoi d'autre encore? C'est tout. Ouais. Ok, bon, merci à toi. De rien. C'est simple, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Désolé parce que ça bouge beaucoup là. Ouais. Vous avez envie de vomir, mais c'est pas grave.
partagez, commentez et dites-nous aussi. Dans commentaire, bah du coup les filles, bah c'est quoi votre type d'homme, physiquement et intérieurement? Bien sûr, merci à vous. Voilà. Bye. Ciao.